Hello tout le monde, bonjour. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, une vidéo haul. Et donc sur le site, donc sur mon site préféré, mon site chouchou, c'est le site Ayer ou Ayer, je ne sais pas comment vous prononcez. Je viens vous présenter tous les produits que j'ai achetés récemment et dernièrement. Des nouveautés, donc beaucoup de nouveautés chez Physian Formula, donc et plein d'autres choses à vous présenter. Je vais vous présenter donc les nouveautés de chez Physian Formula, qui sont pour ma part, franchement, je les trouve vraiment très jolies, très très cute. Ils ont fait des packagings vraiment super beaux, comme par exemple ces deux fards à joues. Donc là, il y a un bronzer et là un fard à joues que je trouve vraiment super jolis. Regardez comme ils sont beaux avec le petit nœud. Ici en couleur rose, rose tendre, et derrière, donc vous avez en fait, c'est un genre de faux cuir grainé. Et donc là, je vous présente donc celui-ci, donc c'est le nude wear, et celui-ci donc se présente comme ça. Donc vous ouvrez la petite fenêtre ici, et vous avez aussi la petite fenêtre derrière. Vous avez donc le miroir et donc le super pinceau qu'il y a, donc vraiment un grand pinceau pour vous appliquer le fard à joues. Donc là, c'est satiné, rose, comme ça, c'est vraiment très joli. Donc sachez que tous les swatchs des produits seront mis sur le blog. Je vous mettrai le lien de toute façon du blog pour voir les swatchs des produits. Donc celui-ci, c'est le nude wear, donc c'est un côté un peu pêche, c'est un peu un blush un peu pêche, rosé, etc. Vraiment très doux, donc qui donne une couleur très fraîche sur le visage. Ensuite, vous avez pareil, donc le nude wear, donc ici c'est un peu un bronzer, on va dire, dans ces tons-là, donc avec des couleurs plus claires, des couleurs un peu plus foncées. Vous pouvez faire avec votre contouring, vous pouvez vous donner un effet un peu plus hâlé, un peu plus bronzé. Et donc pareil, donc le prix, de toute façon, je vous mettrai les liens des produits pour que vous ayez voir les prix, mais ça doit tourner environ dans les 11 euros, vraiment un truc vraiment pas cher, et les packagings sont vraiment top. Toujours dans les mêmes cuteries, on va dire, dans les mêmes jolis trucs comme ça, vous avez le concealer, donc le correcteur aux yeux, qui est vraiment joli aussi. Regardez comme il est beau avec le petit nœud. Et ici aussi avec un genre de petit cuir, faux cuir grainé comme ça, c'est vraiment très très beau. Et donc c'est un concealer qui se tourne comme ça avec le produit qui sort. Donc vous avez aussi le swatch du concealer. Ensuite, je passe donc à un autre produit, toujours de la marque Physician Formula. Franchement, j'aime trop cette marque. Ils ont toujours des produits qui me font kiffer, comme on dit, ils me font... que j'aime en fait, et voilà, je suis jamais déçue par le produit. Celle-ci, donc c'est la Powder Palette Mineral Glow Pearls, et c'est le Bronze Pearl. J'ai pris donc un peu dans les teints un peu plus, on va dire, médium. Et donc ça, moi j'utilise en, comment on appelle ça, en highlighter. Donc regardez comme il est vraiment lumineux, il est vraiment très très joli. Donc ça, j'utilise en highlighter. Vous avez à l'intérieur donc le petit miroir, et ça c'est toujours pratique. Vous avez le miroir, le petit pinceau ici à l'intérieur aussi. Souvent chez Physian Formula, vous avez toujours ce truc-là. Vous avez toujours le pinceau dans la boîte, et c'est vraiment pratique avec le fond aéré comme ça pour aérer la brosse en fait à l'intérieur. Donc celle-ci, donc c'est fait pour en fait unifier votre teint. Vous pouvez l'utiliser aussi donc sur tout le visage, ou en highlighter seulement sur quelques parties du visage. Franchement, j'aime vraiment la couleur. Vous avez plusieurs couleurs. Vous avez le médium, vous avez la plus foncée, vous avez la plus claire. Je passe ensuite donc au bronzer, et celui-ci s'appelle celle-là s'appelle la Bronze Booster, et j'ai vraiment trop aimé le packaging ainsi que la poudre en elle-même. Donc voilà, c'est la BB Beauty Balm de chez Physician Formula. Elle est vraiment très jolie. Donc vous voyez le packaging comme ça, doré et marron. Ce bronzer là donc contient un SPF 20, donc c'est déjà vraiment bien pour une poudre. Et voilà, hormis le packaging, il y a aussi la poudre en elle-même qui est vraiment très 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 belle. Donc il y a marqué dessus donc Bronze Booster. Il y a un genre de soleil en fait dessus, vous voyez. Et donc elle est vraiment magnifique, cette poudre. Elle n'est pas trop irisée. Elle est vraiment très très belle. Vous trouverez le swatch sur le blog. Je vous montre un peu. Alors du coup, comme j'ai le henné, je peux même plus vous swatcher ça sur la main. Vous voyez, c'est vraiment très léger. Donc moi, j'ai pris la medium to dark. Donc c'est medium à foncer. Vous avez aussi
plus clair pour les peaux qui sont pour les peaux claires. Voilà, ça vous donne un genre de teint glowy, un teint vraiment lumineux. Et franchement, j'ai vraiment, vraiment aimé, surtout le packaging. Et la poudre en elle-même aussi, mais le packaging m'a vraiment... regardez, en fait, en dessous, vous avez aussi encore le petit pinceau, le petit miroir. Et la couleur que ça donne au teint, c'est vraiment pas, vous savez, vous pouvez la travailler quoi, c'est pas genre trop foncé pour avoir à enlever à chaque fois des couches et des couches, c'est vraiment donc vraiment discret. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour votre contouring, elle est vraiment top. On passe à la poudre CC+, donc ils ont une gamme aussi. Donc là c'est la poudre BB Beauty Balm, là vous avez la poudre CC+, et cette poudre là en fait est faite pour unifier le teint. Vous savez, c'est les poudres qui sont un peu où il y a du rose, du vert, du jaune. C'est vraiment fait pour quand vous la posez sur le visage, si vous avez des rougeurs diffuses ou quoi que ce soit, ça unifie donc vachement le teint. Et donc vous avez les couleurs ici, donc vous avez du jaune, du vert et du rose, et ça se retrouve un peu ici. Je sais pas si vous voyez, j'arrive à vous montrer. Donc voilà comment c'est. Et pareil, vous avez aussi donc le petit pinceau en dessous. Alors cette poudre là, c'est la couleur light, elle a un SPF 30 celle-ci, donc les SPF sont vraiment costauds moi je trouve, et c'est toujours bien d'avoir un SPF, donc une protection solaire dans les produits, voilà, c'est toujours un plus, donc une qualité de plus. Donc voilà, donc elle corrige vraiment les imperfections dues aux couleurs, si vous avez un teint qui n'est pas unifié, un teint terne, etc. Elle est vraiment top pour ça. Voilà, en ce qui concerne les poudres, je passe ensuite à un fond de teint. C'est un nouveau fond de teint de chez Physician Formula. C'est le Youthful Wear, et il y a un SPF 15 dessus. Et si vous voulez, c'est un, on va dire ça, c'est un fond de teint anti-point noir, en fait, anti-peau grasse. Il réduit vraiment l'apparence de vos boutons, il réduit l'apparence de vos points noirs. Il est vraiment génial, la texture est terrible. Il a une texture veloutée, comme de la soie en fait. Quand je le pose sur la peau, ma main glisse en fait quand je le pose. Et puis même quand il sèche, il y a vraiment un effet lissé de ma peau. Ce fond de teint, donc il est 2 en 1, 3 en 1, il prévient l'apparition des points noirs, l'apparition des boutons. Et donc déjà sur le coup, vous avez un teint unifié et vos boutons donc disparaissent, on va dire comme par magie. Et sur le long terme, donc vous avez donc derrière, il vous montre donc before and after, donc les résultats visibles avec ce genre de fond de teint là. Et donc voilà, vous avez une peau qui respire beaucoup mieux. Ce fond de teint, donc il est 2 en 1, 3 en 1, il prévient l'apparition des points noirs, l'apparition des boutons. Et donc déjà sur le coup, vous avez un teint unifié et vos boutons donc disparaissent, on va dire comme par magie. Et sur le long terme, donc vous avez donc derrière, il vous montre donc before and after, donc les résultats visibles avec ce genre de fond de teint là. Et donc voilà, vous avez une peau qui respire beaucoup mieux. Et il arrive comme ça avec un pinceau aussi à l'intérieur, je vous montre. Alors moi j'ai pris la teinte médium, je la trouve un peu foncée pour mon teint, donc il va falloir que je commande la teinte plus claire. Donc voilà comment se présente la petite bouteille, c'est en fait une petite pipette comme ceci. Et vous avez le pinceau donc qui va avec, qui est super dense pour venir vraiment bien poser le fond de teint partout dans tous les petits recoins de votre visage. Il est vraiment, donc moi je le trouve super. Il y a un SPF 15 à l'intérieur, toujours une protection solaire, et c'est toujours bien d'avoir une protection solaire dans votre make-up. Voilà pour le fond de teint, donc le Youthful Wear. Je passe ensuite encore une autre nouveauté de chez Physician Formula, c'est les Shimmer Strips. C'est vraiment trois cajales si vous voulez, trois crayons pour les yeux, pas que pour les yeux, mais à utiliser là où vous voulez. Et donc moi j'ai pris ici donc le numéro, donc c'est le Natural Nude Eyes. Ils sont 100% waterproof, ça c'est top pour l'été, donc pas besoin, pas de eyeliner ou de kohl qui coule ou de noir sous les yeux, etc. Et donc moi j'ai pris le Natural Nude Eyes, donc vous avez d'autres teintes un peu plus soutenues que celui-ci. Et voilà, donc ils sont vraiment donc déjà trop trop beaux au niveau du packaging, ils sont vraiment bien comme des petits crayons en fait. Vous avez une mine ici déjà formée,
Vous voyez, donc la mine est déjà comme ça. Vous avez donc, je vous montre, de toute façon, vous avez aussi les swatchs sur le blog. Je vous les swatche tous les trois. Ils ont une intensité, une pigmentation incroyable. Vraiment, c'est ce que je retiens, moi, de ces crayons-là. Donc celui-ci, donc le plus clair, là vous pouvez l'utiliser, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser en dessous des sourcils pour une touche lumière. Vous pouvez l'utiliser ici au niveau du cœur des lèvres pour repulper un peu votre lèvre. Vous pouvez l'utiliser ici au niveau donc du nez pour un effet aussi highlighter. Au niveau de la joue, vous pouvez aussi l'utiliser en base paupière pour poser un autre fard, etc. Ils sont vraiment très 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 beaux crayons. Et je les ai vus, ça fait un bout de temps que je les ai vus dans d'autres teintes. Et à chaque fois je me disais, oh ben, ça doit être nul, ça doit pas être top. Et je peux vous dire que côté waterproof, c'est voilà quoi, il n'y a pas photo. Ah, j'ai ma pitchounette qui commence à criser. Et en tout cas, voilà, j'ai vraiment, vraiment aimé, surtout la couleur. Donc moi j'ai vraiment aimé cette couleur-là. Je vais tester les autres couleurs, mais celle-ci, donc c'est la Natural Nude, comme je vous disais, qui est vraiment, donc à mon avis, qui va avec tous toutes les couleurs de yeux. Vous avez un noir, un marron et un rosé beige irisé clair. Et pour terminer, chez Physicienne Formula, toujours, je vous présente donc toujours dans la même gamme que la poudre donc bébé bronze booster. Vous avez donc le petit vapeau donc de petites paillettes très 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 fines pour le visage, pour les cheveux, pour le corps. Et donc ici je l'ai en Goddess Glow, le numéro 7852. C'est un activateur de, on va dire, de luminosité, de glowy et tout pour le visage. Donc vous avez à l'intérieur, vous n'avez pas de formule chimique trop compliquée, etc. C'est vraiment un très 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 bon produit. Et donc qui vous donne donc instantanément un effet, on appelle ça, vous savez, un effet d'après-plage un peu allé, bronzé, mais vous savez, cet effet un peu glowy du visage, un peu lumineux quand on vient de bronzer, etc. Et j'aime trop la bouteille, comment elle se présente, le vapeau est trop trop beau. Voilà, il est comme ceci. Très joli avec la petite pompe ici. Et en fait, quand on pompe, quand on appuie, c'est vraiment un voile très très léger qui sort. Et donc regardez, je sais pas si on peut voir, non on voit pas, mais c'est voilà, c'est tellement léger et ça fait des paillettes très 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 fines. La poudre est vraiment très très micronisée, vraiment broyée. Il a été élu donc bronzer numéro 1 et j'ai voilà, l'odeur est à tomber par terre. Ça sent un peu la vanille, les îles, la coco. Voilà, ça sent vraiment vraiment très 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 bon et c'est vraiment trop cute comme produit, trop joli. Le produit est vraiment superbement bien fait. Voilà voilà pour Physicienne Formula. En tout cas, voilà pour le haul de chez Ayurb. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos et aussi donc le lien vers le blog pour voir tous les swatchs. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir les belles.